Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un jeu qui s'appelle Jugement Apocalypse Survival Edition, qui n'est pas un jeu de survie au sens strict du terme, qui est un jeu de gestion d'un groupe de survivants. Donc on va reste quand même un petit peu dans la thématique un petit peu habituelle. Je l'ai pas encore lancé, hein, donc vous voyez, j'ai pas de continu, j'ai juste fait mes réglages et on va le tester ensemble, voir ce que ça donne. Ouais... On va le mettre à un niveau norme moyen. C'est bon, pas non plus. Et on va prendre l'historiel. Ouais. Ok, donc ça, c'est mes 3 survivants de base, j'imagine. Parce que j'ai regardé une vidéo avant d'y jouer, d'ailleurs, avant de le prendre. Ok. Bon, le défaut malheureusement c'est que le jeu est en anglais. En fait, grosso modo, on a dû fuir un campement qui est attaqué et là on va refaire un nouveau campement. Il faut que je fasse une log cabine avec une foutable et un lit. D'accord. Là, je nous explique un peu comment ça fonctionne, donc très bien. Ok. Le cabin log, déjà ça peut être là. C'est cabin log, c'est là. Donc, c'est vraiment pour garder du bois. Ok. Alors, moi ça c'est efficace. Enfin, chiffre, j'ai toujours crafté 10, d'accord. On va me dire ce qu'il me faut. On va quand même leur faire une batte ou deux. Voilà. Parce que je me dis qu'on en aura besoin. Alors, il m'a dit qu'il fallait une table à manger et un lit. Table, très bien, parfait, et un lit à côté. C'est une base d'opération maintenant, un début de campement quoi. Mais je dois être en sécurité. Mes ressources vont pas durer indéfiniment. Il faut trouver une source de nourriture et d'eau. Je ne dirai pas assez longtemps pour m'inquiéter des créatures, ok. Alors. Faut que j'apprenne comment faire de la nourriture. Vu d'une expérience stable, un research farming. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout agrandir un peu notre. Tu vas pas y couper du bois tout hasard? Bah si. Toi aussi va couper du bois. Est-ce que je peux pas les équiper à tout hasard? Si tu veux que j'avais fait des battes, ça m'aurait fait plaisir de les équiper. Ah
mission, parce que je me rappelle plus déjà. Fable and Research Farming. Ah. Ok. Bon, toi, t'as coupé ton arme, je peux pas t'équiper. Ah si. Toi aussi, je sens qu'on va avoir du combat à un moment ou à un autre. Pas faire assurer. Alors, tu peux toujours recouper un peu de bois. Research farming, research. D'accord, mal de choses effectivement. Farming. Deux vegetables fermes, ok. Il me faut des pierres et il me faut du bois. Du bois, j'en ai plus assez, mais je suis en train d'en faire, donc ça tombe bien. Plutôt que de glander. Non, mais il a pas envie. Ok, donc la recherche, ça me donne des points comme ça. D'accord. Là, on va faire. Tu vas où, toi? Il se relaie pour faire des recherches apparemment, très bien. Lequel j'ai pas équipé pour l'instant encore. Voilà, je préfère, si jamais il y a une bagarre. Bon, je sais si tout va bien. Deux, oui, bah oui. Donc j'ai pas assez de bois. Ok, donc faut qu'il mange. Normal. Qu'il se repose. Normal. Est-ce que j'ai moyen de savoir quelles sont mes ressources? Non, on va couper du bois. Je manque de bois, je manque de stone aussi, ok, très bien. Thank you.
Après, je pourrais accélérer le temps, mais pour l'instant, je connais pas assez bien le jeu pour accélérer le temps, parce que je viens de le lancer. Donc, pour l'instant, les ennemis savent pas où je suis, donc comme j'ai que 2%. D'accord. Et donc là, c'est à partir de moment, plus de pourcentage, apparemment, plus les ennemis seront où je suis. Donc c'est des démons, hein, c'est pas des zombies pour une fois. Pas encore assez de bois. Pourquoi tu coupes pas du bois comme je te demandais de le faire? Voilà, parce que j'avais foiré ma façon de faire. C'est déjà la fin de la première journée. Plusieurs lits quand même. Ah bah je peux pas, c'est le premier à régler. D'accord, donc faut que je fasse plus de tables pour pouvoir plus de... Après je vais pouvoir faire d'autres choses en fait. Ouais, d'accord. Pas mal de choses à débloquer, effectivement. Enfin, sur le reste, on est encore loin. C'est dommage qu'on soit plus nombreux. Avec plus de survivants, ce serait quand même mieux. Voilà, comme ça, on aura un deuxième truc de bouffe. Non, ça va aller en pleine forme. Lui il est claqué donc il va aller se coucher à la place de l'autre, normal. Attrape deux clubs. Donc, merci, ce sont là. Ok. D'accord, moi j'ai aidé quelqu'un puisqu'il se fait attaquer donc. Peut-être permettre d'avoir plus de monde après comme ça. D'accord, ça je pourrais aller chercher. Ok. Sauvetage, ok, je vois un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Là, je pourrais. Là, c'est ma base, là, c'est un endroit pour sauver. Là, c'est pour Adjoud, mais il y a beaucoup d'ennemis. Bon, on va essayer de récupérer une personne de plus pour l'instant. C'est quoi ça? Shopping Center, où les ennemis doivent être plus forts. On va commencer par aller là. Je vais essayer, mais je sais pas comment on fait. Ah oui. Bon, envoyez tout le monde, hein. On n'a pas le choix. Ah, je peux pas laisser la base toute seule. Bon, on va envoyer ces deux-là. D'accord. Donc là, on est un peu dans la deuxième phase du jeu, c'est-à-dire la partie combat.
Ok, bon, c'est un peu, c'est la job est un peu basique, je dirais. Sélectionne tout le monde. Tac. Un peu à l'ancienne, quoi. Non, j'en fous de l'arme. Apparemment, j'ai pas compris en fait. Ouais, t'es clic droit, c'est logique en même temps. Quand dans le système de protection, on voit comment se protéger. Ah, un démon. Top celui-là. Alors, deux sur celui-là. Voilà, bon, c'était facile. Bon, est-ce que j'ai vraiment aidé quelqu'un? Je ne sais pas. May a joined your colony. Ok, je sauvais quelqu'un. Bah, très bien. T'as pas du luxe. Chemin de retour. Bon, c'est assez facile, j'imagine que ça va se compliquer après. Comment je peux retourner sur ma carte? Je peux pas. Voilà, simplement échappe. Alors, je pense à quelqu'un de plus. Ah oui, j'ai May, je peux aller, mais. Elle est punie toute seule. Oh, elle est pas très bien fringuée, elle a pu faire un effort quand même. Quel club, donc en fait je les avais déjà fait. Scavenge. C'est ce que veut dire scavenge. Ouais. T'entends, mais. Beaucoup trop. Beaucoup trop aussi, là. Ouais, non, trop. Allez, on va tenter celui-là. Trois ennemis, il n'y en a pas un, il n'y en a que deux. Ouais, celui-là. Ouais, mais ça m'intéresse moins des stones et du bout. Ouais, non, je tentais là. On verra bien. Allez. On va prendre les trois qui sont armés. Et on va voir ce qui se passe derrière. J'ai plus de dégâts quand j'attaque sur les côtés, ouais, c'est logique. Après, je pense qu'on pourra se cacher un peu. Là, quand on zoom, ça c'est pas trop. Pas... Bon, c'est basique, hein, mais c'est pas immonde. Hein. Il y a 3 dessus les mecs. C'est marrant, il y a pas marqué qu'il y en avait 3. Non, j'avais vu qu'il y en avait 2 pour moi. Ouais, bon, c'est assez facile quand même. Peut-être leur voir en mode difficile directement, je ne sais pas. Thank you.
D'accord, donc il m'explique que le monde est en train de tourner. Il a tourné au mal depuis longtemps, c'est qu'il y a une question de temps avant que le mal soit partout. Et j'aurais m'enseigné en construisant une librairie occulte et rechercher les origines des démons pour en savoir plus sur les démons. Donc, c'est bien une de plus, apparemment, ça avait marqué que j'avais vu 1 et 1, et là c'était 1 et 2, je sais plus ce que j'avais pris. Bon, c'est facile pour l'instant, ça va. Bon. On va quand même lui faire une arme aussi à elle parce que. Voilà. Workbench pour me débloquer des meilleurs. Vraiment les tourner, mais j'ai pas compris tout à l'heure comment il fallait faire. Je sais pas ce qu'il m'a demandé, mais moi je préfère. Pas en forme lui, il va quand même falloir qu'il se repose à un moment ou à un autre. Ouais. Après, on va avoir des armes, ça va être sympa. Toi t'es pas en forme, elle va te reposer. Ah, je peux le déplacer une fois que je l'ai posé, d'accord. Ah, pas le détruire. Surtout pas. Elle m'a laissé reposer, on va voir si ça marche. Sa vie elle remonte automatiquement, même si je ne dis pas de se reposer. Ouais, en fait, non, il se repose pas, il est juste allé à côté. Fais ta vie, écoute, mec. Bon, on va y couper un arbre, ça va essayer de faire quelque chose. On va encore agrandir le camp parce que là, clairement, ça va pas. Quoique, c'est quoi ça? Ah, bon, on va demander de rechercher un peu ce qui se passe. Mon camp commence à être localisé, 19%. Ça va sûrement se corser. On va refaire une deuxième. Pour l'instant, on va d'abord finir de couper les arbres. Il est où le dernier? T'es là, et le dernier? Ah, il fait la recherche, forcément. Logique. La vie remonte toute seule, va tranquillement. Ok, parfait. Les arbres là, comme ça va faire de la place pour agrandir le camp. Non, ils s'en foutent en fait, apparemment. Tu me le coupes l'arbre là? Non, d'accord, comme tu veux. Pas mal de choses, en fait j'ai cherché des trucs loin alors que j'en avais beaucoup moins loin.
Et un ancien camp, ils sont moins fouillés. Ah, ça y en a un qui coupe les arbres comme j'ai demandé. J'avais déjà mis la marque manche, là j'en ai fait une deuxième, je suis con. Oui. Et du coup, pour faire des meilleures armes, peut-être que j'ai des blocs, je sais pas. D'accord, mais quand j'ai des. Quand j'ai des flèches. Ah bah voilà. D'accord, on pense facile, effectivement. Une mise à une plus forte, ça me donne ma présence du nombre de temps. Très bien. Voilà, maintenant que j'ai fait des flèches, je vais pouvoir faire des arcs, très bien. Ça c'est bien foutu en fait. Hein. Au pire, j'en fais combien? J'en fais 2, j'en fais 3. J'en fais 2. J'ai un fighter, lui on va le laisser avec une arme comme ça. Donc pour lui qu'elle est très fragile. Et on va commencer à débloquer un petit peu nos recherches. J'en fais débloquer le puits, ou alors je l'ai pas vu, mais. Ah si, je l'avais vu. Et oh, il me faut des briques. Et il me faut du clé. D'accord. Bon. Faut que je trouve. De la craie. Ça doit rien faire. Ouais, ok. Vas-y. On va chercher de la clé, oui. Quand tu veux. Pour faire de la. D'accord, donc l'air devient moins bon. Vraiment, l'air est bon, l'air est empoisonné. Je travaille moins vite. Rien, c'est un arbre qui me gêne. Et hop. Ah, il me faut de la. Je travaille. La clé. Kenny, t'en vas pas. Hop, j'ai de la clé aussi.
un dip que t'es là, va fouiller ça. Oh, c'est pareil en fait, ok. Ça, j'ai pas vraiment besoin d'aller chercher les choses, je vais attendre un petit coup là, ça. C'est bon, d'accord. Bon, ça, j'ai pas vraiment besoin d'aller chercher quoi que ce soit, je vais attendre un petit peu. Ok, quelqu'un aille secourir. Ah oui, ça m'intéresse. Ah, j'aurais fait un arc composite, ça aurait peut-être dû attendre un petit peu pour le faire. Enfin, plutôt de faire mes arcs de base. Ah oui, je peux faire une infirmerie. Ah bah oui, je fais. Allez hop. Il me faut de la clé, ça, ça se fait, le wood je vais en faire, par contre, comment je fais ça? D'accord, donc je le trouve, donc je sais que j'en ai un peu, regarde la laine, j'en ai vu. C'est un point. On va demander à quelqu'un d'aller recouper des arbres. Mais t'es en pleine forme ou t'es fatigué? T'as faim, à quel sacro t'as quoi, tu vas couper des arbres. J'avais fait tellement avec lui. Et vous y allez. On va faire s'équiper un petit peu et après notre objectif ce sera pour la fin de cette vidéo, on ira essayer de chercher des ressources. On a vu qu'il fallait pas mal de choses, il nous fallait de la laine et la laine on a vu qu'il y en avait dans un endroit bien spécifique, donc on va essayer d'aller en chercher. Tiens, c'est quoi ça? Ah! J'ai plus d'eau. D'accord, donc il me faut un puits en urgence. Enfin, un puits, il me faut des briques. Et des briques, déjà, il faut quoi? D'accord, donc woodworking, je l'ai pas encore. Si j'ai plus d'eau, c'est pas de l'eau ça? Si j'en ai encore de l'eau. On va essayer d'aller chercher de l'eau d'abord.
Bon. Peut-être peut-être débloquer ça en fait. Ce truc que j'ai débloqué, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu. Distribution 500, on est bon. Je n'ai pas un qui était meilleur pour faire la recherche, il est où si c'est la recherche, c'est pas lui. Ah non, juste pour les occultes recherches, ah, c'est pareil. Il est 9h du mat. Sinon, je pourrais trouver à boire. Non, mais là, ils sont trop forts. Là, on va y aller. Mineur démon. Ça, je vais ramener de la laine. Allez. L'oculiste, on a vu qu'il était un peu nul. J'aurais voulu en prendre un que j'avais équipé d'une. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Non, la plus grande chose, ça va être de faire un puits, mais pour ça, il faut que j'améliore ma recherche. Ça serait bien d'avoir quelqu'un en plus. J'ai pris personne à l'arc parce que. Après, on pourra se cacher, je pense que ce sera sympa pour tirer de loin. Tous sur le même, les mecs. On me dit, train de prendre dur. Les démons sont pas forts. Voilà, hop. Ça, j'en ai besoin de faire pas mal de choses. Ça va avoir quelqu'un de plus en fait, mais pour l'instant, on est loin. Ah, qui c'est qui a level up ? Andy. On rentre comme ça pour se soigner plus vite. Bon, ça va moi être le combattant du groupe. Elle d'ailleurs, parce que c'est une fille. Ah. Ok. Bah lui, du coup, les recherches vont être plus rapides, donc on va prendre ça. Ça va faire de mal. Je sais qu'ils vont mettre faire un truc occulte, mais. Ouais, je peux le faire, allez. Je vais me faire du caillou. Pourtant, qu'il y ait le. D'accord, maintenant que je connais la source du mal, grâce à ce que je viens de construire, il faut que je fasse un élixir, mais. C'est pas ce qu'il me faut, donc je vais rien faire du tout. Mais puisque t'es là, non, il faut de la. Bon, j'avais dit que j'allais arrêter après le. L'attaque, il dirait que du coup, je suis assez à pas prendre au jeu. On va quand même s'arrêter là pour cette première vidéo découverte. Donc vraiment totalement découverte, vous avez vu, je connaissais pas. Honnêtement c'est pas mal du tout. Bon c'est dommage que ça soit pas traduit. J'ai envie de voir un peu sur le long terme, etc. Si les ennemis se corsent, etc. Donc sinon il y a un mode difficile hein, de toute façon. Mais ça semble vraiment un bon petit jeu. J'en ai pas parlé mais il est disponible sur Steam au prix de 14,99€.
après j'ai pas d'opinion à vous donner pour l'instant concernant l'éventuel achat, c'est vraiment selon votre intérêt. Moi c'est pas ma spécialité, ce genre de jeu de gestion, même si là je l'ai pris parce que c'est un jeu de gestion entre guillemets survie. Et j'avoue que là, le temps que j'ai joué j'ai bien aimé, mais bien évidemment c'est trop tôt pour faire un jugement définitif. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme toujours, un petit pouce, un petit commentaire, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que ma chaîne grandit et que je vois que vous aimez ce que je fais, et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis j'espère à très bientôt, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, salut salut !